Élimine le sucre de ta vie. Élimine le sucre de ta vie. Ou alors réduis le taux de consommation de sucre. Pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, où que tu sois, ceci n'est pas un message pour parler avec des termes complexes et tout ça. Le sucre nourrit toutes les soi-disant maladies. Le sucre est le plus grand des poisons, parmi tous les poisons, pour te maintenir malade. Tout est sucré, tout ce qu'on consomme est sucré. Je ferai une vidéo spéciale là-dessus, concernant pour moi l'une des sorties les plus importantes de ce médecin, j'ai oublié le prénom. Mais ce message rapide, c'est juste dire, élimine le sucre de ta vie, mon frère, ma soeur, que tu sois sur cette planète. Au fait, à ce propos, moi, je parlais à ma tante et à ma mère en même temps. Oh, c'est beau, alhamdoulilah. Je parlais à mes deux mamans, hein, ma tante et ma mère, hier, dans une conversation. Et elle me disait, durant le mois de Ramadan, par exemple, oh, combien de fois, il y avait un monsieur qui a fait beaucoup de bien à un village, à une communauté. Il leur a envoyé beaucoup de sucre et beaucoup d'huile. Et je lui ai dit carrément à ma tante, écoute, l'huile, c'est pas bon. Et elle a souri. Le sucre, c'est dangereux. Et en plus, c'est du sucre blanc parce que je suis conscient de cela. C'est comme ça, surtout durant le mois de Ramadan, entre frères et sœurs musulmans. Et ce message s'adresse à tout le monde. Hein, mais je prends cet exemple-là, simplement. OK? OK? Donc, je voulais juste dire que elle parlait du fait que il y avait des gens qui faisaient des dons de sucre et d'huile, de sucre et d'huile. Mon Dieu, que d'humains empoisonnés par ce qui nourrit le cancer, par exemple, parce que le sucre, nul besoin de te le dire, le sucre nourrit les cellules cancéreuses. Je ne suis pas un expert, fais tes recherches toi-même. Il y a une vidéo spéciale que je vais faire là-dessus qui est extraordinaire, qui explique le fait que ce cancer-là est quelque chose qui ne doit même pas être considéré comme étant une maladie, le cancer. C'est comme une progression naturelle de ce que notre corps crée en lui. Et je vais expliquer, grâce à ce médecin, dont j'oublie encore le prénom, dans une vidéo que je vais faire, mais je vais faire ces vidéos rapides pour te dire. Tant que tu ne vas pas éliminer de consommer ce qui est mauvais, quelles que soient les corrections que tu vas faire, si tu fais du sport tous les jours, tu fais une marche tous les jours, tu es actif, si tu manges correctement et tout ça, entre autres. Mais tant que tu ne vas pas éliminer le sucre ou alors réduire le taux de sucre ou cesser de consommer le mauvais sucre ou les mauvais aliments, tout ce qui empoisonne ton corps, rien ne va changer et tu seras un client de ces compagnies pharmaceutiques qui certes ont pas mal de propositions à faire. Réduis, élimine le sucre de ta vie. I love you. Okay. Fais du sport. Ça va te faire du bien. C'était juste une vidéo pour te rappeler cela. Pour moi, c'est fondamental, ce petit rappel. I love you. Bye bye.